appelons à coopérer face au changement climatique. La croissance économique, le développement durable et la lutte contre la pauvreté sont des objectifs qui doivent et peuvent être atteints ensemble. Mais assurer un accès équitable au développement durable pour tous nécessitera de disposer de moyens de mise en œuvre accrus. Nous appelons à la solidarité financière et technologique. Considérant que nous atteignons le point de non-retour en matière de changement climatique et que nous devons passer des intentions à l'action, nous appelons solennellement tous les États à travailler concrètement et rapidement pour lutter contre le changement climatique, en particulier contre ses impacts. Et nous les invitons à présenter leurs contributions prévues, déterminées au niveau national en fonction de leur situation et capacités nationales respectives. Les pays développés et les pays en développement, capables et désireux de le faire, à fournir aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables des moyens de mise en œuvre adéquates pour les aider à se transformer en territoires résilients et en économies sobres en carbone. Tous les acteurs, les États, les collectivités territoriales, les entreprises, les secteurs privés, la société civile, les organisations non gouvernementales, les universités et les citoyens à jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et en particulier contre ses effets. Et la réduction des risques de catastrophes naturelles liées au climat par des efforts individuels ou des initiatives en coopération. Et chacun à diffuser cet appel et à faire prendre conscience de la nécessité d'agir rapidement et partout. Et de parvenir à un accord mondial sur le climat en décembre à Paris.